trouvez toujours et constamment une façon de vous améliorer. Il faut toujours que vous disiez, est-ce que aujourd'hui je suis meilleur qu'hier ? Faites en sorte de choisir la progression et non la stagnation. Et en clair, pour être très honnête avec vous, la stagnation chez l'être humain n'existe pas. Tu progresses ou tu régresses. On a même la pierre, elle s'érode. Même une montagne, elle s'érode. Elle ne reste pas identique tous les jours. Donc, c'est simple. Tu as le choix entre stagner, progresser ou régresser. Tu as trois choix. Mais le vrai choix, il est où ? Il est dans la progression. Si vous voulez aujourd'hui vivre à 110%, développer votre carrière, vos affaires, votre couple, votre vie privée, rappelez-vous ceci, la même communication dans un couple, la même stagnation dans un couple, qu'est-ce que ça donne au bout d'un an, 5 ans, 10 ans ? Régression. Même sexualité, régression. Même communication, même discours, mêmes outils. Sans flexibilité, vous ne pourrez pas apprendre. Et faites en sorte d'apprendre pour progresser en permanence. Heureusement que nous sommes condamnés à progresser. Heureusement, l'être humain est ainsi. On est fait pour progresser, pas pour stagner. Et la plupart des gens, par le simple choix de conformité et de aussi, on va dire, de courage ou d'effort, choisissent la stagnation, en clair, la régression.